Bien, bonsoir à tous, bienvenue à UGC Ciné-Cité. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir pour l'avant-première du film Fête de Famille et nous allons pouvoir recevoir l'équipe du film. Je vous demande pour commencer d'accueillir avec moi le réalisateur et acteur du film, M. Cédric Kahn. Merci également d'accueillir les comédiens Solal Ferreira, Mia Natala, Jasper Bissinet, Alain Arthur, Isabelle Emile González-Sola, Laetitia Colombani, Vincent Mackay, Emmanuel Bercourt et Catherine Deneuve. Elle nous a dit qu'on allait nous débrouiller, alors je ne sais pas comment on va faire. Elle va faire notre escousse. Voilà, quoi dire, qu'on est tous réunis, c'est très émouvant. On était très tristes de finir le tournage d'un tiers du temps qui s'appelle. Avec donc Isabelle et Luana, qui sont. Voilà, on est 11 dans la rôle, là on est 9 seulement. Donc le film va vivre sa vie vivant, c'est un jour assez émouvant pour nous, parce qu'on va l'abandonner. On était déjà très tristes de finir le tournage, qui était un tournage, enfin, pour ma part, je voudrais parler pour eux, qui était un tournage très, très heureux. Voilà, je les ai choisis et ils m'ont accueilli parmi eux comme comédien, ce qui était une expérience pour moi incroyable. Voilà, j'ai connu des sensations nouvelles. Qu'est-ce que je peux dire? Je crois qu'il y a beaucoup de gens de l'équipe qui sont là, je veux aussi les remercier, profiter de leur présence. Et voilà, les remercier tous, leur dire que je les aime, remercier Catherine en particulier. remercier de sa confiance, de sa bienveillance. Et puis voilà, je vais leur passer le micro. Mais est-ce qu'on commence par les petits? Au revoir. Au revoir. Après. Alors est-ce qu'on commence par Vincent ou Emmanuel? Vincent, ouais. Voilà. Comment déjeuner, vous restez à table, là. Allez, hop. Mais j'ai pas envie de manger la pisse à la bière. Ah, c'est pas la peine de dire ça, ils ont pas vu le film. Bon, moi j'espère que voilà, je suis contente de vous présenter cette famille, comme j'aimerais qu'on nous montre plus souvent au cinéma. Une famille comme il en existe, avec des personnages très différents, qui essayent de s'entendre au moins le temps d'un déjeuner, mais malheureusement, ça va tourner très vite un peu au drame, parce que ma fille ici, ma droite, a un caractère un peu particulier, et donc je vais lui passer le micro, comme ce jeu. Je crois que j'ai quelques personnes de ma famille dans la salle, j'espère que vous me trouverez plus sympa dans la vie qu'à l'écran. Mais chacun d'entre vous, je pense, s'identifiera à un des membres de cette famille. Moi, je vous conseille de vous identifier à mon personnage, parce qu'à mon avis, c'est celle qui va le mieux dans sa tête, contrairement aux apparences. Et en tout cas, c'est vrai que moi, je suis particulièrement attachée à ce film et à cette famille. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés tout à l'heure tous ensemble et que c'était vraiment comme si... comme si on allait tourner, mais comme si on se retrouvait pour une fête de famille. On est encore liés comme quelque chose du sang, quoi. Parce que ce tournage a été assez humainement et artistiquement très fort, je crois, pour nous tous, sauf pour toi, mais bon, ça... La gentillesse. Non, vas-y, Vincent. Vincent,
Non, mais là, c'est impossible, je ne fais pas respecter, quoi. Du coup, non, mais ça s'est mélangé avec le film aussi. Parce que... Mais non, non, je suis hyper fier de ce film. Je suis, c'était une expérience hyper belle et je pense que le film est, il a capté cette chose-là. Et justement, je suis trop touché d'avoir joué avec tous ces acteurs. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. Ah, de plus que. Non, mais les enfants parlent mieux, je crois. Vas-y, parlez, sauvez-moi. Je voulais dire que Vincent Macken est un très bon exemple dans le film. Dans le film. Et il m'a bien appris la vie dans le film. Et que je voulais remercier Cédrica parce qu'on a fait un super tournage et c'était très drôle. Oui, bon, tu peux parler toi aussi. Hein. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on a mangé 21 croissants pour rien. Parce qu'on a fait 20, on a fait une scène et ils l'ont pas mise. Moi, j'ai des croissants. Et... Oui, on a coupé les croissants. On a coupé la scène des croissants, sérieux. 21 croissants. Ouais. Peut-être ça les découragera d'être acteurs. Hein, c'est pas gentil ça. Et la pisse à la dière aussi. Hein. Ah oui, la pisse à la dière. Laetitia. Oui, donc il y a eu une vingtaine de croissants mangés, il y a eu à peu près 45 pisses à la dière mangées. Mais outre tout ça, on a passé un moment très fort sur ce film. Moi j'étais heureuse, très fière de faire partie de cette fête de famille. Cédric a réuni cette brochette de comédiens autour de lui. On a fonctionné un peu comme une troupe de théâtre et c'était passionnant. On a ri, on a aussi été très ému. Il y a des moments dans le film qui m'ont bouleversée. Il y a des moments où l'équipe entière a pleuré. Voilà, et c'était une expérience assez incroyable. Je remercie Cédric vraiment pour sa confiance et Sylvie Piala et voilà et tous mes partenaires. Moi, je voulais remercier Cédric parce que j'ai passé presque 40 ans de ma vie derrière la caméra et je finis modestement mais heureux d'avoir participé à ce film et d'avoir retrouvé Catherine que j'avais vue il y a quelques temps. Et j'ai compris, enfin, je savais un petit peu l'angoisse du comédien, ce que c'était, mais là, je veux dire que j'ai pris. C'était un peu difficile de temps en temps. Voilà. Merci beaucoup. Mélissa, tu peux me faire un signe de la main parce que je ne sais pas où tu es. Mélissa ? Ok, merci. Je veux juste rajouter un mot. Ce film a été l'occasion de me retrouver avec Yann Dedé, qui a monté le film. Et ça a été une chose extraordinaire. Je ne suis pas en face, je dis, avec plein de gens autour, c'est plus facile. Et voilà, Aude Catlin, avec qui je travaille depuis des années, Antoine Carrard, voilà, et toute l'équipe, enfin, c'était vraiment... Écoutez, tous les tournages ne sont pas heureux, contrairement à ce qu'on raconte dans les journaux. Mais ce tournage était vraiment très très heureux. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un mot ou... Il a bien parlé Bonne progression, monsieur. Je donne à qui le micro?